wesh les potes, c'est Sukai. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Reste jusqu'à la fin de la vidéo les amis, voilà c'est un défi que je vous donne aujourd'hui. Le défi c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir que la vidéo est vraiment vraiment trop géniale. Du coup voilà, ce serait dommage de rater tout ça. Le défi d'aujourd'hui, 8000 likes à cette vidéo. Comme d'habitude, si il y a 8000 likes, je vous ferai une autre vidéo encore plus géniale que celle-ci. Bref, je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Oh, Billy, regarde. Oh, viens. Billy, regarde, regarde. Bouffe dans le camion. Plouf, 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 plou
là, moi. Là-bas, là-bas, là-bas. Papa, okay. Est-ce que je viens ou pas? Moi, j'aime pas les pluies, moi. Ah, t'aimes pas les pluies, Eva? Non. Ah, bah, cache-toi, t'es moche, t'es pas. Aussi, tu putes, t'es moche et tu pues. Bah, Eva, bah, tu sais quoi? Bah, toi, je te laisse rester à la maison. Si tu veux, tu peux jouer avec tes poupées. Ouais, j'y allais jouer avec la PS5 de Billy. Ah, bah, vas-y. Va faire tous les niveaux que j'arrive. Ok, c'est nickel. Du coup, vas-y, attends, Billy, Billy, Billy. Bah, attends, attends. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que vous faisiez dans un chantier? Bah, on voulait faire les portugaises, et après, on a vu des camions, et on a décidé de faire pouet-pouet. Quoi? Mais n'importe quoi. Bon, les potes, ils ont voulu jouer avec des camions et faire pouet-pouet. Par contre, attends, mais Billy, c'est quoi tout cet âge qu'il y a par terre, là? Oh, c'est quoi? Y'avait pas ça, attends, attends. Ah, oh, c'est pas du ketchup, papa. Et c'est quoi alors? Je sais pas, papa. Ok, bah attendez, les amis, on va suivre les traces. Je sais pas où ça va nous mener. J'espère que ça ne mène pas jusqu'à ton soi-disant puits, hein, Billy, hein. Ah, je sais pas, papa. Ok, bon, alors attendez, on va suivre toutes les traces, les amis, let's go. Oulala. Ok, c'est celui-là le puits que tu me disais? Ah, oui, papa. What? Attendez, on va regarder la terre. Mais il a l'air vraiment profond, ton puits, là, Billy. Ah bah, je pense que Gary, il est mort. Quoi? C'est pas grave. Mais non, mais dis pas des trucs comme ça. Plus de cadeaux à Noël. N'importe quoi, les amis. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à Gary, les amis? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est blessé? Voilà, dites-moi toutes vos hypothèses dans les commentaires. J'attends un maximum de commentaires, les potes. Let's go. Bon, attends, Billy. Tu sautes en premier? Non, j'ai pas envie, papa. Ouais, c'est vrai que ça fait. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, hein. Bon, Billy, tu sais quoi? J'y vais en premier, d'accord? Fais gaffe, papa. Ok. Mais tu me suis, Billy. Je vais pas être tout seul, d'accord? Tu sais quoi, papa? Ok, les amis, c'est super, mon Billy m'a poussé. Billy, tu peux me rejoindre? Ça va aller, Billy? Ah oui, papa, okay, ça va. Ok, par contre, on n'y voit rien du tout, c'est parti, oh, on oui, essaie papa. De descendre. Ah, mais il y a pas ça, papa. Ok, ça va aller, mon fils? Ah oui, ça va mieux, là. Ok, Billy, tu peux me donner une torche? Parce que je pense que t'en as une dans la poche. Ah oui, j'en ai toujours une dans la poche. Ok, attends. Super, c'est parti, les amis. Bon, là, on est arrivé dans une salle, je ne savais même pas qu'il y avait une salle en dessous de ce puits. C'est parti, nous allons traverser, vas-y, viens. Viens, Billy, viens. Oui, oui. Okay. Oula, fais gaffe, papa. Ok, bon, là, il fait un petit peu sombre, ok, d'accord. On va... Oula, on est où, là? Waouh. Mais c'est quoi, cette pièce-là? Bonjour, humain. What? Ok, what? Mais t'as entendu ça, Billy? Hein? Avancez, s'il vous plaît. Ok, bon, il y a une voix assez effrayante qui nous a dit d'avancer. Bon, bah, je pense qu'on va l'écouter, on va avancer, Billy, hein. N'ayez pas peur, je suis gentil. Ok, bon, les amis, Gary, a priori, est tombé ici. Par contre, on n'a aucune trace de lui, les amis. Oh, il y a du sang partout, il y a des squelettes de partout, les potes. En plus, il y a l'air d'avoir un liquide vert. Je pense que c'est un acide, Billy, va pas dedans, hein. Attention, un liquide, il peut vous tuer. Oh, bah, va pas dedans, Billy, va pas dedans, c'est mieux, je pense. Ah oui, oui, oui. Ok, bon, là, les amis, c'est un endroit assez effrayant. On va avancer. Oula, fais gaffe de pas te piquer dessus. Oula, ok, par contre, là, il y a pas mal de morts, j'ai l'impression. Bonjour. Silence, petit être, ton tour vient. Bonjour, monsieur CRNN. Bonjour. Vous allez devoir faire des épreuves si vous voulez pouvoir sauver la vie de votre frère. On m'a moi-même enfermé ici. Si vous voulez le faire sortir, vous allez devoir rallumer les lumières de toute la zone. Quoi? Vous avez 2 minutes. Top chrono. Ah, ok. Ok. Vas-y, Billy, passe-moi un briquet, vite. Un briquet, Billy. Merci. Ok, bon, les amis, CRNN m'a demandé d'allumer peut-être toutes les lumières, mais je ne sais pas où sont les lumières. Attendez, peut-être qu'il y a des torches ici. Attendez. Il faut trouver. Ah, ok, d'accord. D'accord. Billy, vas-y, aide-moi. Aide-moi, Billy. Vas-y, faut allumer toutes les lumières. Ok, c'est nickel. Hop là, c'est bon. Et là, il y en a encore ou pas? Oui, ici, il y en a. Oh, ok, là, super. Oh, et là. Ici. T'as oublié, c'est Billy, je crois. Oh, oui, là. Le temps défile. Merci de faire okay. C'est bon. On a allumé toutes les lumières. Voilà. Wow. Ok, ça, c'est beaucoup mieux comme ça, j'ai l'impression. C'est très bien. Wow. Ok. Voilà, c'est bon comme ça, monsieur CRNED. Très bien. Content. Oh, votre fils est bien mignon. Ça va, ça va aller, Gary, on arrive. Vous devez en foutre. Silence ou je te tue. Oh,
Okay. Ensuite, vous allez devoir trouver un coffre. Il est caché, il faut le trouver pour me faire sortir d'ici. Et ensuite, ce sera bon, je pourrai vous laisser sortir avec votre frère. Allez-y. Billy ? Oui, quoi ? Tu trouves pas que c'est un petit peu trop facile ? Je pense qu'il va nous faire un piège à la fin. Ouais, je pense que ça... Eh, c'est pas un piège, monsieur CRNED. Mais je suis moi-même enfermé, il faut trouver le coffre où vous pouvez me faire sortir, s'il vous plaît, merci. D'accord, bon... C'est une entité qui m'a fait s'enfermer ici. Et si vous vous dépêchez pas, vous allez peut-être l'entendre malgré vous pour essayer de vous tuer. Ok, ça va, on va essayer de faire vite. Bon, vas-y, Billy, on va essayer de vite trouver ce coffre-là, la noix. Parce que, bon, les amis... Mais par contre, j'ai comme l'impression qu'il nous réserve un bon petit piège, monsieur CRNN là, j'ai comme l'impression, en fait il nous a dit qu'en gros que si on le libérait, bah il nous laissait partir, moi, Billy et mon petit frère Gary sans souci. Et vous connaissez CRNN les amis, j'ai comme l'impression qu'il a quelque chose derrière la tête. On va essayer de se méfier quand même. Tic tac, dépêchez-vous car l'entité qui m'a enfermé peut se manifester très vite. Ok, ça va, on va essayer de faire vite. Aïe, on va essayer de faire vite, monsieur CRNN. Mais y a pas de coffre là, mais c'est n'importe quoi. Attends. Oh, il est là, le coffre. Il y a bien un coffre. Grand frère, dépêche-toi de trouver le coffre. C'est bon, j'ai trouvé le coffre, il y a une pioche à l'intérieur. C'est bon, monsieur CRNED, je vous libère, voilà. Allez-y. C'est bon, vous êtes libéré. Je vais vous tuer. Ah, Billy, mais aide-moi, Billy. Tu l'as, Billy. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre du feu. Ah oui, vas-y, avec le feu. Ouais, faut le pousser dans l'acide, Billy, faut le pousser dans l'acide. Allez, va dans l'acide. Je me dissous. Oh, what? What? Ouais, et c'est... Oh, l'acide a dissous CRNN, bien joué, Billy. Oui. Woohoo. Ok, super, les amis. On a réussi à se débarrasser de CRNN. Bon, Billy, par contre, là, on a bien vu que l'acide qui était juste ici est vraiment dangereux. Bon, oh, ça va, t'es pas blessé? Non. Ah bon? Eh, ça va, vous voulez pas un petit café, un petit croissant? Non, ça va? Ah oui, c'est vrai, je l'avais peut-être... Je l'avais presque oublié, lui. Vas-y, viens, on va le libérer, on va vite partir d'ici. Vite, ok, ça va, les Gary? Grand frère, il m'a donné un rush, je pensais qu'il était vivant, mais en fait, il était mort. N'importe quoi, mais attends, mais ça emmène nous ici, là? What? Waouh! C'est quoi? Oh, il y a des diamants partout! Prenez tout, les enfants! Allez, on prend tout, ouais. Inondation du terrain en cours. Oh non, les amis. Ok, le puits est en train d'être inondé. Vas-y, on se barre, les enfants, on se barre. Ok, les amis, le puits est en train d'être inondé. Vite, faut qu'on y aille avant que tout soit inondé. Vite. Regarde, papa. What, y'a de l'eau de partout. Faut vite partir. Viens, Gary, tu nous suis? En fait, je t'avais dit de pas prendre ton temps. Ouais, mais moi, je savais pas, Gary, je savais pas. Oh, y'a de l'eau partout, comment on va faire pour trouver notre chemin? C'est par ici, papa? Oui. Par là? Non? T'es là? C'est pas par là. Ici, papa. T'es où, Billy? Je te suis, Billy. Ok, je suis. Là. Ok. Viens, Gary, viens. Hop là, nickel. Ouais. Super. Wouhou! Nickel. Gary? Je suis là, grand frère. T'es où, Gary? Attends, je suis là. Regarde derrière toi. Derrière moi, hein? T'es où? Je te vois pas. Regarde, je suis là. Mais où là? Je te vois pas, Gary, mon shader. Il fait en sorte mais que là, je mais là, je suis là. Mais... C'est bon, il est là, papa. Il est où? Ah, il est là. Mais je suis là, grand frère. Ok, d'accord, je savais pas. Fais vite. Allez, on se barre. Ouais, c'est bon. C'est Billy qui m'a poussé. Quoi? Oui. C'est pas vrai. Il m'a poussé dans le puits là et après je fais... Mais déjà, qu'est-ce qui vous a pris de rentrer dans ce chantier, les enfants? Bah écoute, grand frère, en fait, on a fait notre stage de camionneur. Bébé. N'importe quoi. Eh, vas-y, arrêtez de dire n'importe quoi. En tout cas, Gary, ça va, t'arrêtes de casser? J'ai juste faim parce qu'il m'a rien donné à manger, le monsieur. Ok, bah vas-y, tu sais quoi? Rentre à la maison, je pense qu'il y a Eva qui nous a fait un bon gros gâteau, d'accord? Ah non, mais non, Eva, elle sait pas cuisiner, grand frère. Elle sait quand même, elle sait un petit peu. Non. Elle sait pas cuisiner, moi, je dis. Non, en tout cas, on a réussi à te sauver et on a réussi à avoir plein de diamants. Oui. Ouais. Papa,
j'avais tellement peur, je suis quand même venu. Ah, Eva, ça va aller? Coucou, tonton. Oui, c'est bon, on a récupéré Gary. Et évidemment, tous les diamants, tu vas me les donner. Oui, bien sûr, Gary. J'ai fait des gâteaux, mais par contre, j'ai un peu mal compté. J'ai fait 3 parts de gâteaux, donc il y en a un qui n'aura pas de gâteau. C'est toi qui n'aura pas de gâteau parce que tu sais pas. Voilà, Billy. Billy, il n'a pas de gâteau, Billy. T'as pas de gâteau, désolé. Ouais, c'est Billy parce qu'il m'a poussé. Il n'aura pas de gâteau. Oh là là, vous êtes méchant, Billy. Et bam. Oh, n'importe quoi. En tout cas, les potes, voilà, tout se finit bien. Enfin, tout se passe bien, qui finit bien, les amis. On a réussi à sauver Gary. Voilà, si cette vidéo t'a plu, mets un gros like pour plus de vidéos de ce genre. Abonne-toi pour être dédicacé lors de la prochaine fois. Et si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, et ben voilà, écris saucisse dans les commentaires. Voilà, t'écris saucisse dans les commentaires. De Toulouse et de Strasbourg. Voilà, de Strasbourg, Eva. Voilà, de Strasbourg. En tout cas, voilà, mettez un maximum de likes, abonnez-vous. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka. Ciao les potes.